Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le voyage de guérison émotionnelle que j'ai fait avec Sabine. Donc voilà, je m'appelle Vanessa et j'avais un blocage, quelque chose qui m'empêchait d'actionner dans ma vie, d'avancer. J'avançais, mais ce n'était pas toujours très harmonieux et je sentais qu'il y avait toujours un petit quelque chose qui bloquait. Donc voilà, Sabine m'a proposé ce voyage de guérison émotionnelle et je la remercie du plus profond de mon cœur. Ce voyage de guérison émotionnelle m'a permis de me libérer d'un poids, de me libérer d'un poids émotionnel. En fait, voilà, après un échange très juste de Sabine, on a réussi à identifier l'émotion qu'on avait envie de travailler par rapport à ce blocage. Et c'est avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme que Sabine m'a accompagnée donc à la connexion intérieure vers mon authenticité d'âme. J'ai vraiment envie d'utiliser ça parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai. Alors, comment ça se passe? Ben, en fait, c'est assez bluffant parce qu'on part d'une émotion et puis c'est un peu comme si on plongeait à l'intérieur. Et comme si on traversait des étapes, comme si on traversait des couches. Moi, j'aime bien parler de couches émotionnelles. Donc, d'une émotion, on passe à une autre émotion, puis on repasse à une autre émotion. Alors, bon, moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc c'est vrai que j'avais énormément d'images et beaucoup de couleurs aussi. Et beaucoup de ressentis, hein, dans ces émotions qui s'impriment vraiment dans le corps et pour pouvoir après les libérer. Et jusqu'à arriver donc je dirais au point de chute de la source où je me suis retrouvée dans un univers qui était en totale harmonie avec la personne que je suis, dans mon authenticité d'âme. Et à partir de là a commencé une épuration en fait. C'est-à-dire que voilà, Sabine m'a invitée à aller identifier ce qui bloquait, voire peut-être aussi les situations, les événements, les personnes qui avaient été la source en fait de ce que j'avais bloqué moi-même. Et j'ai pu vraiment avoir une connexion d'âme à âme avec, pour moi ça a été plus des personnes avec des situations particulières et ça m'a vraiment permis de me libérer totalement d'a priori et de choses de peur et de blocages qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Et je garderai toujours en mémoire cette image. Alors bon, moi je suis très visuelle. Je garderai toujours en image ce paysage, cet univers. Qui vraiment correspond totalement avec la personne que je suis, enfin que je pense être. Et ça m'a vraiment permis d'aller libérer tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais sur l'émotion aussi, pour vraiment déprogrammer tout ce qui allait autour et pour pouvoir revivre une vie plus harmonieuse. Donc aujourd'hui, merci à toi Sabine. Moi j'ai pu remettre en place des choses que j'avais envie de mettre en place et que je n'osais pas mettre en place voilà, pour vraiment actionner cette authenticité d'âme que j'ai, qu'on a tous. Et ça m'a vraiment permis de me libérer de tout ce qui m'emprisonnait, de moi envers moi-même. Donc merci beaucoup Sabine. J'espère que vous aurez tous la chance de faire un voyage de guérison émotionnelle avec Sabine, qui saura vous accompagner avec énormément de douceur, de compassion, de bienveillance et de professionnalisme. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée.